salade de fruits. Voilà, multi-fruits. Une salade vraiment multi-fruits. Donc, avant, pour choisir votre ananas, vous touchez les tiges et quand ça ne se tire pas, donc c'est pas encore bien mûr. Quand vous achetez vos ananas, il faut toujours tester. Pour tester, il faut tirer. Ah, quand ça se tire comme ça, si vous arrivez à arracher facilement, ça veut dire que l'ananas il est mûr et vous pouvez bien le manger. Voilà, donc c'est bon. Je vais maintenant prendre l'ananas. Vous le choisissez bien, de bonne qualité. Pour faire votre salade de fruits. Multifruits. C'est important pour accompagner un bon dessert. Hein, pour varier un peu le dessert. Voilà les amis. Un bon dessert tropical. Voilà, donc on disait pour choisir bien les ananas, pour faire une bonne salade tropicale. Donc vous épluchez correctement, vous enlevez tous les petites taches. Voilà, après on coupe bien le milieu. La tige, on coupe en quatre parties. Après, on va enlever la tige. Il faut faire attention quand vous avez les couteaux tranchants. Donc, voilà. Hop. On va encore aller jusqu'à là. On va faire pareil l'autre côté. On fait attention toujours aux doigts. Ne pas se blesser. On coupe encore. On va enlever l'autre tige. Et encore, on enlève l'autre tige. Donc là, après, on va je vais d'abord jeter d'abord mes couteaux de la place à découper. Je vais jeter les épluchures, bien sûr. Je vais maintenant découper mes ananas en cubes. Donc ça veut dire que je vais faire d'abord le petit trait, hop. Hop et hop. Donc je vais le couper bien de petits morceaux. Pour que ce soit facile pour les enfants, comme ça ils mangent. Voilà. Je vais prendre maintenant le melon. J'épluche le melon. Je vais couper en quatre parties. Faites attention à ne pas vous couper. Ça peut faire très mal, ça peut aller très vite. Après, je vais éplucher le melon. Mais il faut faire très attention. Je vais maintenant enlever les pépins qui sont au milieu. Bien vraiment les enlever, les petits pépins. Je vais prendre l'autre partie. J'enlève les pépins aussi pareil. Après avoir épluché mes melons, je vais aussi découper pareil. Comme je fais avec l'ananas. Là, je vais prendre mes bananes. Je les aime bien, les bananes de la Martinique, Guadeloupe. Merci les Guadeloupéens. Si vous m'écoutez les Guadeloupéens, voilà, merci hein, pour vos fruits. Hein. On va pouvoir se faire plaisir.
Allez, et là je découpe en rondelles mes bananes de Guadeloupe, Martinique. Consommer local, ça fait du bien. Pour soutenir l'économie. Je me débarrasse de mes épluchures pour travailler nickel, ne pas travailler dans la saleté pour l'hygiène. Donc voilà, je jette ça à la poubelle. Là maintenant, je vais m'occuper de mangue. Merci aux Africains pour les mangues. Voilà. Voilà, je découpe le mangue. Pour le mangue, par contre, je vais faire juste une petite touche. Et chacun peut prendre sa tranche. Et là, vous l'ouvrez comme ça. C'est vrai que c'est pas encore bien mûr, mais c'est bon, ça vaut le coup. Je vais décorer la salade avec. Parce qu'au milieu, il y a le noyau, quoi, en fait. Et là, maintenant, je vais chercher un plateau où je veux présenter ma salade. Et ça sera l'air de bon appétit. Merci les amis de m'avoir suivi. Là, c'était les tutos. Salade multifruits, plein de tonis pour tout le monde. Voilà, là je vais maintenant mélanger et mettre sur un plateau. Et là je vais mettre mes petits décors dans les quatre coins de mon plateau. Voilà, je vous remercie les amis. Une salade bien faite, plein de tonis, plein d'énergie, ça se mérite. Faites-vous plaisir pendant ce moment de confinement et vous verrez tout ira bien. Voilà, si vous avez aimé ce tuto salade multifruits, aimez ma page et à bientôt les amis.